Ici W se déplace du jeudi au mardi désormais. Bonsoir à toutes et à tous pour le premier épisode de ECW Reloaded après le fameux pay-per-view ECW Ultra Clash avec un main event certainement historique ce soir. Oh, et on commence l'épisode direct avec celui qui est toujours ECW Champion, le Prince Finn Balor, a battu Johnny Gargano à Ultra Clash dans ce match en cage. Après un combat qui n'a pas été de tout repos quand même pour Finn Balor, on a eu quelques frayeurs. Champion ECW, Finn Balor est bien présent ce soir pour ouvrir ce weekly. Et désormais, ECW Reloaded se déroulera les mardis hein, à la place du jeudi. Voilà, voilà, un petit changement de jour, mais pas changement d'heure. Qui va-t-il affronter ce soir, Johnny Gargano? Peut-être une revanche entre Gargano et Balor. C'est pas un match pour le titre hein, donc ça m'étonnerait que ce soit Gargano. Finn Balor qui a fait une très très grande performance à Ultra Clash. Et que dire des autres superstars de Raw et de WCW Thunder lors de WrestleMania Nuit 1 et 2 qui ont été plus qu'excellents. Mais ce soir c'est ECW et on attend des retours, notamment ce main event, Last Man Standing Match, Adam Cole contre Kyle O'Reilly. Pour ceux qui n'ont pas vu ECW Ultra Clash, l'Undisputed Era a implosé lors de la nuit 1 où Kyle O'Reilly s'est bagarré avec son chef Adam Cole. Ils se sont affrontés lors de la nuit 2 et c'est Adam Cole qui avait gagné le combat, sauf que ce soir c'est un Last Man Standing Match alors que c'est Tommaso Ciampa qui arrive. Il est là. Tommaso Ciampa va affronter le champion ECW Finn Balor ce soir. Ça, c'est un match que l'on rêve d'avoir en main event. Et ce soir, c'est cadeau, c'est le premier match de la soirée. Et ouais. Concernant les autres résultats, Miaim a conservé son titre de championne face à Yoshirai. On a eu le couronnement de toute nouvelle ECW Women's Tag Team Champions. Et ce sont Aliyah et Gigi Dolin qui ont été couronnés et qui ont même conservé leur titre. Car leurs titres ont été défendus face à Ember Moon et Shadi Blackheart. C'est parti pour ce premier match de la soirée. Oh, et Balor qui attaque direct. Et le powerbomb. Il relève. Oh, la claque. Et Finn Balor. Et c'est la face contre le sol. Retournement du bras. Oh, coup de poing là de la part de Ciampa. Allez, le bon coup de genou. Attention. Et Ciampa. Ouh là là, sur Balor. Première tentative, 1.
Ciampa qui a au moins essayé. Et le bon coup de poing. Et il enchaîne encore le bon coup de genou. Il a posé Balor. Allez, les coups dans le dos maintenant. Et le coup de genou dans la face du champion. Et Balor qui ramène Ciampa au sol. Body slam. Et le dropkick. Oh, joli coup de pied là, au niveau de la tête. On rappelle que c'est un match extrême et que Finn Balor est en train d'aller chercher une arme. Et c'est une patte de baseball sous le ring. Oh, le coup de patte de baseball sur Ciampa. Oh là là. Un très bel enchaînement, ça blesse l'adversaire. Oh là, il fait tomber sur ses genoux. Pas facile hein. Et powerbomb. Il a acclamé Finn. Oh là là, il a encore une fois. Non mais sérieux. On a l'extérieur du ring. Pas de compte évidemment, car tous les coups sont permis. C'est un sledgehammer maintenant. Mais Balor projette Ciampa contre les escaliers. Qu'est-ce qu'il fait? Oh oh. Oh my god, Tommaso Ciampa s'est emparé d'un escalier. Et il va pas l'utiliser. Alors ça fait bizarre de voir une superstar prendre les escaliers. D'habitude j'avoue que les superstars ne prennent pas les escaliers, ne l'utilisent pas. Que Tommaso Ciampa est en train de se relever. Finn Balor l'attend. Ah non, il va le chercher. Il le remet dans le ring finalement. Et back suplex. Et le retournement. Il va le tenter. 1, 2. Il n'y est pas loin pour Finn Balor, mais il va en falloir encore un petit peu plus. Un coup de gras peut-être. Ah peut-être un coup de gras, oui. Et comme ça, ça lui fera du foie. Ah là, le coup de patte de baseball. Non, 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 Ciampa qui contre et qui reprend cette batte. Cette arme. Et allez, le coup de batte de baseball dans la face de Finn Balor. Et c'est au tour de Balor de prendre des coups. Et Tommaso qui va chercher. Qu'est-ce qu'il va chercher? Oh, il va prendre une échelle. On en a eu un ladder match lors de Ultra Clash pour le titre Cruiserweight, dont on a eu un changement de champion d'ailleurs. Oh, Balor. Balor, il a affronté les deux anciens de DIY, hein, Gargano, et là ce soir il affronte Ciampa. Allez, encore le go to sleep. Cette échelle finalement n'aura pas servi pour l'instant. Et que fait Tommaso Ciampa? Oh, aïe 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 aïe. Porte le champion. Oh, est-ce qu'il peut le terminer? Non, Finn Balor va à l'extérieur. Il est malin. Il sait quand il est en danger. Oh, mais il va le ramener. Le DDT encore. Est-ce qu'il peut le finir? Est-ce qu'il peut le finir? Non, il va pas tenter un tombé encore. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il tente la soumission. Il tente la soumission là sur Balor.
Est-ce qu'il va résister? Il n'y a pas beaucoup d'options. Et ben l'or qui tape! Le champion qui tape! Le tap-out de Finn Balor et la victoire ce soir de Tommaso Ciampa. Oh my god! Et Finn Balor quand même qui montre que c'est toujours lui le champion. Oh! Et regardez qui arrive, Johnny Gargano. Il a toujours des vues sur ce titre et à mon avis, c'est pas fini la guerre entre les deux. Et on accueille, mesdames et messieurs, l'ancien Cruiserweight Champion. Et ça fait bizarre de le voir sans ceinture. Mais il n'est plus, il n'a plus la ceinture. Tony Nese, le premier athlète. Et c'est tout ce qu'il est maintenant. Come over here. Come here, I want to show you something. This right here, this is why I'm the premier athlete. And let me show you something else. Let's count it out together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That's 8 reasons why I'm the premier athlete. 8 reasons why I'm better than each and every one of you. The following contest is an Extreme Rules match. Making his way to the ring from Long Island, New York. Weighing in at 196 pounds. The premier athlete. Le premier athlète, Tony Nese, qui est là. Mesdames et messieurs, mais qui va-t-il affronter ce soir? Peut-être qu'il va affronter celui qu'il a battu dans un match où le titre n'est pas en jeu. Nous parlons bien évidemment du tout nouveau champion Cruiserweight de la ICW, Aria Devary. Ou peut-être pas. Oh, et oui! Le tout nouveau ECW Cruiserweight Champion! And his opponent from Minneapolis, Minnesota, weighing in at 190 pounds, one half of the Aria Devary! Aria Devary est bien présent ce soir et qu'est-ce que ça fait plaisir de le voir avec un titre! Aria Devary. Ah mais c'est vraiment ce que l'on souhaitait voir. Hein. Aria Devary, champion. C'est ça. C'est ça que l'on voulait voir. Et on l'a aujourd'hui. Nous l'avons. Et est-ce qu'il va confirmer ce règne de champion en battant encore une fois Tony Nese ce soir? Et on est donc parti pour ce second match de la soirée. Ça commence fort hein, de la part de Tony Nese qui pour l'instant se venge. Et le retournement, non. Oh là là là. Ah oui, quand même. Et la souplesse de Tony. Regardez la puissance de l'ancien champion. Il maintient, il maintient. Aïe, 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 aïe. La chute n'est que plus dure. Allez. Torsion de la tête.
Et c'est bien fait encore de la part de Devery. Allez, Devery, on y va. Oh, le genou bien placé. Nice le contact et il le repousse là, Devery. Il assoit, projection dans les cordes et le coup de genou encore bien placé dans le dos. Tony Nice qui pour l'instant gère bien. Il contre plusieurs fois. Attention, Hurricane Runner. Oh, le super kick in the face. Et la souplesse. Dans cette division cruiserweight de ici, oh, avec la clothesline. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Non, il va pas le faire. On va pas le faire. Le Tempest Suicida de Tony Nice à l'extérieur. Exceptionnel de l'ancien champion. On est de retour dans le ring. Oh, c'est bien ce qu'il fait. C'est bien ce qu'il fait. C'est très bien ce qu'il fait sur Devery. Oh, le coup de genou. On rappelle qu'il a perdu le titre dans un ladder match. Il n'a jamais fait le tomber Devery sur Tony Nice concrètement. Est-ce que le résultat aurait été différent si ça avait été un match simple ou juste un match extreme? Vu comment Tony Nice gère. Il y a moyen. Non. Ne fais pas ça. Pas ça! Et là, c'est peut-être fini. 1, 2. Et c'est terminé, victoire de Tony Nice sur l'ancien champion, victoire de Tony Nice sur le champion cruiserweight, Aria Devery. Aïe, 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 Aria Devery, il n'a pas confirmé ce soir. Il n'a pas dit son dernier mot concernant ce titre. Il n'a pas dit son dernier mot et à mon avis, il va tout faire pour avoir son match revanche. Il va falloir suivre ça de très près dans les semaines à venir. Mais le premier athlète est toujours là. Dar qui arrive. Et ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. On l'avait même oublié. Bah oui, j'avoue que c'est qui Noam Dar, bah, je sais pas. Noam Dar, the Scottish Supernova. Bah, ça fait plaisir de le voir en tout cas ce soir. Ça prouve qu'il est toujours là, présent, hein, quelque part. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais qui va-t-il affronter ce soir, hein? On va voir ça. En tout cas, il va falloir s'y intéresser de près. Vers quoi va-t-il se diriger, Noam Dar, en tout cas? On sait qu'il est là. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut quelque chose. S'il est là ce soir, c'est pas pour rien. Il veut se lancer à la course d'un titre. Mais faut-il encore savoir le titre hardcore, peut-être? Alors, la bonne chance, hein, parce qu'on a un nouveau champion. Oh, le Velveteen Dream!
Il est encore en vie. Exceptionnel. On n'avait plus de nouvelles depuis des mois. Le Velveteen Dream est là, mesdames et messieurs. Incroyable. Je crois qu'on ne l'a pas vu depuis qu'il a perdu les titres avec avec Keith Lee, les titres par équipe. Donc ça fait très longtemps, du coup. Celui qui a gagné le Dusty Rhodes Tag Team Classic 2020 avec Keith Lee. Ben ouais. Et oui, mesdames et messieurs. Et oui, Velveteen Dream contre Noam Dar, c'est le match qui arrive dans quelques secondes. Ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal. Moi, je pronostique quand même une victoire du Velveteen Dream. Parce que le Velveteen Dream, on l'a souvent sous-estimé. Alors qu'il est exceptionnel dans un ring, il fait des choses de fou. Et c'est pas pour rien qu'il a déjà été champion, contrairement à Noam Dar qui, lui, n'a toujours rien gagné dans le mode univers, hein, à ce que je sache. N'est-ce pas? Voilà, voilà, voilà. Ça va être très intéressant ce match, à mon avis. Il va falloir regarder ça de près. En tout cas, on est là pour regarder ça de près. On est chaud. Et vous, est-ce que vous l'êtes? On est déterminé pour ce Dream contre Noam Dar. Ce serait intéressant de voir les deux se lancer un titre, peut-être le titre ici d'Ob. Hein. Ce serait bien d'avoir de nouveaux challengers en tout cas. Et c'est donc parti pour ce match. Projection dans le coin. C'est bien fait de la part de Noam Dar. Il sait toujours faire des projections dans le coin, donc c'est le tombé. Irish Whip. Bel coup de coude du Dream. Alors que le match suivant sera le Last Man Standing Match. Adam Cole, Bay Bay versus Kyle O'Reilly. L'Undisputed Era n'existe plus. Et les deux vont encore se fracasser la gueule ce soir. Et c'est ça qu'on veut. Mais c'est ça qu'on aime, ouais. Carrément. On aime bien ça. Le dropkick du Dream. Tentative de tomber. 1. Le Dream pensait que ça aurait suffi. Non mais quand même. Il a craqué lui. Et la back suplex. Oh là 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 là. Attention, cette batte de baseball qui est un danger. Le Dream ne va pas l'utiliser, mais il enchaîne Noam Dar de coups de poing. Oh là, c'est bien fait ça. Un, deux.
Et il se fait enchaîner. Calmez-vous. On rappelle que c'est un match... Attendez, c'est un match extrême et l'arbitre il fait un décompte extérieur là. Ah, écoute, qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors là, très bizarre. Voilà, contre les escaliers. On a 8, attention. 9. Et le Dream qui casse le compte. Mais il devrait pas y avoir de compte dans un match extrême, mesdames et messieurs. On ne comprend plus rien, on ne comprend plus rien. Très bizarre tout ça, c'est très bizarre, c'est un peu trop bizarre pour moi. Je dirais même que c'est Zarbi. Il le remet dans le ring. Attention, il a attrapé. Ouf. Il blesse la jambe gauche. Il a sur les épaules. Oh, oh, c'est parfaitement fait ça. De la part du Dream. 1, 2. On y est presque, on y est presque pour le Velveteen. J'ai mis une pièce sur toi, le Dream. Alors t'as pas intérêt à perdre. Il a attrapé le DDT. Bien planté. Chercher un autre objet là, Noamdar. Il a pris un sledgehammer. Un sledgehammer, une massue. Oh là là, un coup de massue sur le Dream. Et encore. Bon, mais les espoirs de victoire du Velveteen Dream sont partis en fumée avec ces coups qu'il vient de prendre. Oh là. Ah oui, moi je pronostiquais le Dream s'il ne prenait pas de coup de massue. Mais là, le Dream va se venger. Qu'est-ce qu'il va prendre? C'est une chaise. Ah, les chaises. On aime bien les chaises. Ah, il va même pas taper avec. Il aura même pas le temps. Noamdar, le neckbreaker. Il enchaîne. 1. C'est pas assez. Noamdar est vexé que ça ne fasse que 1 au compte. Oh, le coup de pied. Et encore le coup de pied. Et encore le coup de pied. Il a fait tomber sur la chaise. Oh, allez. Oh. 1, 2, et 3, et ça suffit, pour Noamdar à s'imposer ce soir. Et victoire du petit écossais Supernova Noamdar. Intéressant. C'est vrai que le Dream était bien parti, on va dire. Mais Noamdar a pris l'avantage en cette fin de match. Voilà, très belle prise de Velveteen que l'on connaît bien. Ah, c'est bien joué quand même à Noamdar. Vraiment. Bien joué. Bravo. Noamdar, victorieux dans ce match extrême où il a fallu sortir les objets et aller fracasser l'adversaire. Mais quelle suite pour lui? Va-t-il se diriger vers le titre Cruiserweight ou Hardcore? Réponse dans les semaines à venir. Et le main event, Kyle O'Reilly arrive pour ce last man standing match. On est là pour ce match qui promet. The following contest is a last man standing match.
Kyle O'Reilly. Il veut plus choquer le système, il veut défoncer Adam Cole, tout simplement. Kyle O'Reilly est celui qui en a eu marre que Adam Cole ait toujours des opportunités en solo, qu'il soit toujours sur le devant de la scène. Et ça a implosé entre les deux. On ne sait même pas l'avis de Roderick Strong ni de Bobby Fish. Je pense qu'ils font abstraction de ça et je pense qu'eux aussi sont partis de leur côté. On a accueilli Kyle O'Reilly, on va accueillir maintenant Adam Cole, baby! Aïe, aïe, aïe. Et on en est arrivé dans une guerre en interne dans ce clan qui dure depuis des années du côté que ce soit de NXT ou de ECW. L'Undisputed Era n'est plus, mesdames et messieurs. Et on fait place à une guerre entre les deux membres de ce clan qui va se régler dans un last man standing match. On espère avoir du sang dans ce match parce qu'on a ECW et parce que c'est un match généralement qui finit en sang. Et il a fait boom, hein, il a fait boom. Est-ce que ça va faire boom sur la tête de Kyle O'Reilly aujourd'hui? En tout cas, on rappelle que lors de Ultra Clash nuit numéro 2, il a gagné Adam Cole. Et il a les fans avec lui, Adam Cole, à moitié. À moitié, on va dire. C'était pas gagné d'avance. Ah si, il a les fans derrière lui quand même. Et on est parti pour ce main event de ECW Reloaded. Et le coup de pied d'O'Reilly. Oh, le coup de pied dans le dos. Oh, le bon coup de coude. Et Adam Cole qui tombe complètement KO. Et O'Reilly, ah, oh, c'est bien fait. Et le bon coup de genou dans la face. Alors, un last man standing, pour ceux qui ne savent pas, parce que certains ne connaissent peut-être pas la stipulation, il faut que l'adversaire soit au sol complètement et que l'arbitre compte à 10 pour remporter le match. Comme s'il y avait un décompte extérieur en fait. Mais sauf qu'il faut que l'adversaire soit complètement au sol. Attention, Kyle O'Reilly revient. Oh, il revient avec la clothesline. Oh, oh, cette gestuelle que l'on connaît bien d'un certain Dean Ambrose ou John Moxley, hein, n'est-ce pas? Neckbreaker. Et la souplesse d'Adam Cole. Oh, le super kick. O'Reilly revient. O'Reilly revient encore. Et joli retournement. Et il veut le ramener. Mais non, c'est Adam Cole qui le reprojette. Oh, la claque. Bon coup de pied dans la face quand même. C'est bien fait là, regardez ça. Point
Pour l'instant, Adam Cole s'en sort mieux que Kyle O'Reilly. Il a les choses en main. On a 7, 8 et O'Reilly se relève. Allez, O'Reilly reprend la main maintenant sur ce match avec Adam Cole. L'arbitre va compter, hein. Oui. Pour l'instant, pas d'objets ont été utilisés à l'encontre d'un des deux. Un match simple. On a 6. Et il se relève à 8. Allez, O'Reilly. Et un coup de poing de Cole. Oh, il le fait tomber sur le genou, la tête, la première. Il a sur les épaules. Oh là là. O'Reilly va avoir des problèmes de tête après, hein. Ah, ça m'étonnerait que ça suffise. Il va en falloir plus, à mon avis. Beaucoup plus. Il s'est relevé à 8. Oh, et Adam Cole l'a accueilli avec un coup de pied dans le dos. Quelle violence. Oh, le coup de... Pff. Non, 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 non. Oh, le coup de genou à l'arrière de la tête. Allez. Allez, O'Reilly. Ne lâche rien. Pied et il revient avec un coup de coude. Il va laisser l'arbitre compter. Mais est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça peut suffire? Ah, j'y crois peu, hein. J'y crois très très peu. Baby. Et on est à l'extérieur et aucun des deux ne cède pour l'instant. Toujours pas d'objet utilisé. On a 7. 8, 9, oh là là là, Adam Cole, attention, on était à 9, hein. Une seconde de plus et c'était terminé. O'Reilly, il est à l'extérieur, qu'est-ce qu'il fait? Non, ne jouez pas à ça, ne faites pas, moi je viens et toi tu pars. Adam Cole qui revient sur le ring. Ça va pas suffire, il va en falloir plus. On salue d'ailleurs nos commentateurs qui sont assis dans le vide. Corey Graves, Michael Cole et Byron Saxton, évidemment.
On les salue, ils font des squats actuellement, alors ça muscle énormément les jambes. Hein. On se doute que ça doit faire mal. Il s'est relevé à 9. Oh là! Projeté contre le tablier. Et maintenant c'est le poteau. Et maintenant c'est le poteau. Quand il aura lié, il pense que c'est bon. Il pense que c'est bon. Il se relève à 7. Oh, le coup de coude. Et la clothesline. Adam Cole devrait remettre sa genouillère quand même. Hein. 8, et il se relève. C'est pas fini, loin d'être fini. La guerre continue. À 5, 6, 7, 8. Aïe, heureusement, hein. On n'est pas loin en tout cas. Hein. Il fait tomber encore. Ouais, mais il faut quand même faire un minimum de prise, monsieur O'Reilly. C'est pas juste en le refaisant tomber par terre que ça va suffire. Quel imbécile. Il se relève à 8. Oh, coup dans le dos. Et que va-t-il faire maintenant? Quelle solution reste-t-il à Kyle O'Reilly? Madame Cole qui revient. Avec un bon coup de poing. Et le pay dirt. Et le pay dirt. Bien, O'Reilly, le coup de pied. Oh. Oh. Alors là, par contre, là, oui, là, ça peut être la fin. This is maybe the end of this fight. Est-ce que ça peut suffire pour battre Adam Cole, baby? Je ne sais pas. Ça me paraît quand même un petit peu léger. 9. Oh là là. Oh. Et là, il s'en était même pas rendu compte, O'Reilly. Et là, Jabba de Suplex. Oh my god. Oh, oh, oh. Oh, ce retour qu'il a fait. Il s'est pris un super kick. Et ensuite, la German. Sept, 8, 9. Oh, il se relève de justesse. Oh là 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 là, ce qui s'est pris O'Reilly. Oh, il s'est pas fini. Oh là là, il enchaîne dans le coin. Oh, il est mal barré, O'Reilly. O'Reilly, la class line qui revient. Et Cole qui cède des cordes pour se relever. Il est éprouvant ce match, le coup de pied. Le coup de coude. O'Reilly saigne. O'Reilly saigne au niveau du front. Il y a une ouverture. Oh, le coup de pied encore. Oh, il a enlevé un deuxième genouillère. Oh my god, le coup de genou à l'arrière de la tête de Cole. Il enchaîne. Et le Bider encore. Alors là, par contre. Ça m'étonnerait fortement que notre Kyle O'Reilly gagne et se relève. Je pense que c'est la fin de ce match.
8, 9, c'est fini. 10 victoires d'Adam Cole ce soir au terme d'un Last Man Standing qui a fallu aller jusqu'au 100. Et oui, je l'avais prédit, il y aura du sang ce soir entre les deux. Ça prouve à quel point il a fallu aller loin pour arriver à une fin. Adam Cole, bye bye. Oh là, cette German. Et Adam Cole, ça fait 2-0 contre Kyle O'Reilly pour l'instant. Il est imbattable, Adam Cole, finalement. Et il saigne aussi, Adam Cole, il saigne. Bonne soirée à tous, merci d'avoir été présents. Et on termine ce show avec cette image. Adam Cole en sang. Et qui a battu encore une fois son ancien partenaire Kyle O'Reilly. C'était éprouvant et c'était extrême.